Salut Alex. Bonjour, ça va Manu? Ouais, impeccable. Ouais. Nuit un peu courte, on a fini tard hier, mais on est prêt à remettre ça aujourd'hui. Non, on enchaîne tout de suite avec le match du tournoi international. C'est New Zealand Select contre les France universitaires 1. Non, celui-là il vient de se finir. T'as un retour là sur Facebook, Twitter et Instagram. On va faire un petit programme de la journée ou voir ce qui nous attend. Et la beauté, c'est que sur chaque terrain, on peut voir de tout niveau et du rugby féminin comme masculin. Allez, on est en train d'effectuer les derniers réglages hein, pour essayer de vous montrer la première rencontre hein, qui opposera le New Zealand Select face à France Universitaire 1. Allez, on finit de mettre en place et normalement dans quelques instants on va pouvoir vous décrypter tout ça. Et voilà, c'est parti. Et du coup la première rencontre hein, à suivre sur ce live du Wardington 2019, la New Zealand Select contre les France Universitaires 1, et France Universitaires qui sont venus avec cette année pour le challenge international. Et on repart sur une mêlée hein. Le score est de 0-0 pour l'instant. Sortie pour l'équipe de France, on va aller chercher la première largeur. Allez, les Français là qui tentent de sortir de la 22 mètres. Et un ballon récupéré par les All Blacks. Et finalement, encore un turnover. Et l'arbitre qui intervient. Il a vu un en avant. Ça sera mêlé pour les Français. L'arbitre qui doit considérer hein, qu'il y a deuxième en avant de l'équipe de France universitaire. Du coup, il n'a pas laissé les jouer l'avantage. Et on va revenir sur une mêlée, du coup, dans les 22 mètres du camp de France universitaire. Allez, un ballon qui sort rapidement. Les Français qui sont dans leur en but là, qui essayent de s'extraire.
Avec le petit joueur pied par-dessus. Est-ce qu'il va le récupérer? Ah, dommage. C'est récupéré par les All Blacks. Il va falloir... On va voir si la contre-attaque va être efficace. Allez, les Français hein, qui se laissent pas pressionner, qui défendent. Allez, les Blacks qui renversent le jeu. On est complètement sur l'aile gauche là-bas. Sur le stop de la Société Générale, le compteur. Et nouvelle intervention de l'arbitre. Puisque le record pour l'instant en 30 secondes. Un nouvel en avant. Signalé, ça sera une nouvelle mêlée pour l'équipe de France. Et les deux équipes pour l'instant qui se neutralisent. Aucune des deux qui arrive à prendre l'avantage. Allez, sortie de balle pour l'équipe de France universitaire qui va attaquer la largeur. Ouais, bien pris là par le défenseur néo-zélandais. On a essayé de faire jouer debout, malheureusement on n'a pas pu. Petit en avant néo-zélandais qui profite à France universitaire, non malheureusement. Et l'arbitre qui considère que l'avantage était terminé, du coup on va rendre un ballon à l'équipe de Nouvelle-Zélande. On repartira sur une mêlée à peu près au milieu du terrain. Allez, la mêlée introduction pour la Nouvelle-Zélande. La Géorgie, ça sort très vite. Ça écarte là, on est entre l'Allemagne et la Russie. Sur... C'est l'Allemagne qui l'emporte 26-5. Allez, ça écarte là, côté gauche, elle a percé plein centre. Allez, le joueur, le numéro 2 là, qui est bien repris. Un petit peu isolé, hein. Le grattage très performant de France Universitaire qui récupère le ballon. On va aller chercher la largeur, est-ce qu'il va y avoir des espaces? Allez, on voit les Néo-Zélandais qui se réorganisent très vite en défense. Hein. Ouais, pour l'instant, pas beaucoup de ballons à exploiter pour cette équipe néo-zélandaise. Mais ils font les efforts en défense pour pas prendre de points. Attention, là, on a pu jouer dans l'axe, on est dans l'avancée. Vite sortir le ballon de cette phase de contact. Malheureusement, il n'y a pas de relayeur. Et du coup, l'équipe de Nouvelle-Zélande qui vient contre-requer et qui va récupérer ce ballon. Attention, là, par contre, il pourrait y avoir des espaces qui vont s'ouvrir. Belchistera. Allez, l'action qui se poursuit là, c'est récupéré par les Français. On va jouer au pied, le troisième rideau qui est dégarni, ça va jouer à la course. Et gros temps de jeu, on voit les joueurs qui commencent à être dans le dur. Ouais, on a vu hein, le joueur français qui a ralenti sa course, hein, il a vu qu'il pourrait pas aller au bout. Donc il a préféré laisser le défenseur néo-zélandais se saisir de la balle pour le plaquer ensuite. Mais les Néo-Zélandais qui s'en sortent bien là, on est dans leur 22 mètres. Ah, et la passe sautée là, magnifique. Voilà, magnifique la Chistera. Allez, les Français qui défendent bien, hein, qui ne laissent pas trop de possibilités aux All Blacks. Allez, le 1 contre 1 sur les extérieurs. Allez, ça joue. Allez, il est seul contre eux là, et complètement isolé. Allez, le gratteur qui intervient, debout, coup, c'est bien déblayé. Au soutien de pouvoir venir. Voilà, la balle est conservée par l'équipe néo-zélandaise. Petite feinte de jeu au pied. Allez, les Néo-Zélandais qui ont toujours la balle, qui cherchent une solution, qui ne la trouvent pas. Attention à ne pas surjouer. Hein. Voilà, ballon récupéré par l'équipe de France et qui va aller conclure cet énorme temps de jeu qui a duré plusieurs minutes. On a vu énormément de turnover. Un ballon qui passe d'une main à l'autre, d'une équipe à l'autre. Et c'est l'équipe de France qui gagne ce premier gros duel. Et qui ouvre donc le score
sur ce match. Pour l'instant 5-0, une transformation assez facile hein, en face des poteaux qui devrait pas poser de problème normalement. Voilà qui est fait. 7 pour les Français. Si les photographes nous entendent, ils peuvent commencer à se rapprocher du car podium de la 0 pour la Nouvelle-Zélande. S'il vous plaît, on va commencer à battre le rappel également. Voilà, c'est la mi-temps. Les équipes, puisque vous pouvez. On en profite pour récupérer, pour se réhydrater. Au Worldington 2019, avec les photos d'équipe qui vous sont proposées. Rien de plus simple, vous venez avec l'ensemble de l'équipe. Vous montez sur le car podium de la. Donc là, je vous rappelle, hein, il s'agit du challenge Elite qui inclut également l'équipe France Développement, l'équipe de Géorgie, l'équipe d'Italie et l'équipe russe qui sont inscrites, hein, toutes ces équipes-là, qui sont inscrites dans le circuit Elite, hein, de le tournoi de la Fédération française. Déjà de l'écologie, puis on voulait mettre en lumière deux associations. La première, c'est le colosse au pied d'argile représenté par Fabien aujourd'hui. Donc, tu vas nous expliquer ce qu'est ton association qui va à l'équipe de France dans le monde du sport, mais pas universitaire qui pour l'instant domine attention. Avec la domine dans ce match avec la Nouvelle-Zélande. Association colosse au pied d'argile. Face à la Nouvelle-Zélande, pardon. L'histoire de Sébastien Bouay, ex-rugbyman semi-professionnel et de France amateur qui a été violé de 12 à 16 ans et qui a parlé 18 ans plus tard. Et le soleil qui est avec nous, on a une belle journée avec un petit peu de vent, du coup il fait pas trop chaud, c'est une température, des conditions idéales pour jouer au rugby. Hein. Ouais, c'est idéal hein, pour tous les joueurs qui sont présents ici, un ballon qui sera grippant, il risque d'y avoir beaucoup de passes sur les matchs qu'on va suivre. Et ça permet aussi hein, aux joueurs d'économiser un petit peu d'énergie. On le sait, avec le soleil qui tape fort, ça peut être beaucoup plus dur. Mais pour l'instant, c'est assez couvert. Il se monte de temps en temps, mais pas à l'heure actuelle en tout cas. Le coup d'envoi de la seconde période va être donné dans quelques secondes. Je vous rappelle le score 7-0 pour France Université 1. Face à cette sélection néo-zélandaise qui est tenante du titre, hein, qui avait gagné le tournoi l'année dernière. Oui, l'année d'avant aussi, un double tenant du titre. Ouais. Et on a des joueurs dans cette équipe néo-zélandaise qui étaient là aussi les deux années précédentes. Donc beaucoup d'expérience sur les terrains pour cette équipe néo-zélandaise qui vient ici évidemment pour remporter le titre. Allez, un coup d'envoi qui a été donné trop court. Le ballon n'a pas franchi les 10 mètres, donc le ballon est rendu à l'équipe de France. Coup de pied froid au milieu du terrain, on va le jouer à la main sûrement. Allez, ça part là-bas à côté gauche. Parce que voilà, dans le rugby amateur aujourd'hui, on oublie de dire qu'on ne peut pas forcément en vivre, que ce soit de la Fédérale 1 jusqu'à la 4ème série. Nouvelle intervention de l'arbitre. Et une touche, hein. On repartira du coup sur un ballon pour la Nouvelle-Zélande. On va voir s'ils ont réussi à trouver des solutions avec leur coach à la mi-temps pour essayer de mettre à défaut cette équipe de France universitaire. Et la touche est captée. Et tout de suite, on cherche les extérieurs côté opposé. Malheureusement, on va jouer après contact, mais on aura encore un ballon à cette équipe de France universitaire. Oh oui, énorme contact au milieu du terrain. On arrive à rester debout. Le soutien qui devrait être présent. Voilà, une bonne libération de balle. On attaque le retour sur le côté droit. Allez, ça bataille pour la possession du ballon, mais c'est toujours la France qui a la balle en main.
de se terminer sur le terrain numéro 6. C'est le dernier match du Howard Hinton Elite. Première salve de match. On passe d'un côté à l'autre du terrain, on fait l'essuie-glace. C'est bien joué, on voit l'équipe de France universitaire qui essaie de passer un maximum de ballons au contact. Est-ce que le son serait revenu là maintenant? Là, sur les commentaires, si vous nous entendez. Après ce match-là. Ouais. Ouais. On va faire encore le test, c'est pas du tout le son, il sera. D'accord. Allez, on a des problèmes techniques apparemment. Je ne sais pas si vous qui regardez ce tournoi sur votre ordinateur ou sur vos tablettes, si vous nous entendez. Non, il n'y a rien. Non, on me fait signe que non en régie. Ah, le son est revenu. Ah, le son est revenu. Vraisemblablement, le son est revenu. Donc voilà, désolé de vous avoir quitté un petit peu malgré nous, d'un point de vue sonore. Donc merci pour votre aide en tout cas sur les commentaires. Allez, on rappelle le score hein, de ce match entre l'équipe de France universitaire et la Nouvelle-Zélande. 21-7 pour les Bleus. Et là, ce sont les Néo-Zélandais qui ont la balle et qui vont tenter encore une fois d'aller réduire le score. C'est chose faite. Avec cet essai au pied des poteaux. Un réveil assez tardif, hein. Assez tardif qui va coûter sûrement la victoire à cette équipe de Nouvelle-Zélande. Ça va pas suffire. Hein. On voit les joueurs qui serrent la main. Ça devrait être la fin du match sur cette transformation. La transformation qui passe, 21 pour les Français, 14 pour la sélection néo-zélandaise. Et cette équipe de France universitaire qui a pas démérité du tout. Non, c'est pas le On les a vus sur la fin de cette première mi-temps avec un énorme temps de jeu qui a duré plusieurs minutes. Et finalement, c'est eux qui ont réussi à marquer. Ils ont pris l'avantage juste avant la mi-temps, 7-0. Et derrière. En région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France. Les secrets de la douceur de vivre. Des secrets qu'on se tient à l'oreille. Les secrets des vieilles pierres. Les secrets de la nature. Les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire. Bob, c'est bien, bro. Continue comme ça, bro. C'est bon. Elle est de retour ici au Worthington. On vous a laissé il y a quelques instants avec la victoire de France universitaire sur New Zealand Select et on va enchaîner avec les Sea South 7 contre les Wonder 7. Le match qui va commencer dans quelques instants du coup. Et le programme, hein, on vous le dit, il y a des matchs sur ce live jusqu'à 18h30. Place à la 10e rotation des matchs sur cette deuxième. Vous pourrez retrouver en live tous les matchs qui se dérouleront sur le terrain numéro 6 ici
à Tours pour la 23e édition de ce tournoi au Wardington. Allez, les équipes qui se sont mises en place, le match qui va bientôt démarrer. Sur le terrain numéro 6, Six South Seven contre Winter Seven. Et sur le terrain numéro 7, Six South Seven contre les Chaussettes. C'est sur 21-14. Sur ce qu'on a vu en live, ouais. Après. Allez, le coup d'envoi qui est parti. Le ballon qui est récupéré, on va aller chercher la premier jeu large. Il y a des espaces qui sont ouverts. Ah, le soutien qui est présent, mais le gratteur qui travaille bien sur le ruck et qui arrive à récupérer le ballon. Pénalité pour son équipe. Alors on a une difficulté. Vous l'aurez compris, c'est qu'on ne sait pas qui est qui dans cette équipe. Les deux équipes qui jouent avec des maillots blancs. Allez, le long de la ligne de touche, malheureusement il a mis le pied. La touche, donc le ballon rendu à l'adversaire. D'autres partenaires qui vous proposent un mur digital. 30 secondes pour défier le mur digital. Au-delà des matchs en live qu'on peut vous commenter, vous aurez également droit à des interviews. On va essayer d'interviewer un maximum de joueurs, des dirigeants, des entraîneurs. Avec toutes les équipes qui sont présentes, hein, les équipes nationales, les équipes internationales. On va vous faire tout ça, on va vous faire vivre ce tournoi jusqu'au bout, avec demain la grosse journée de toutes les phases finales. Et là pour l'instant, on revient à ce match entre Sea South 7 et les Wonder 7. Et le soutien qui est présent sur la phase. D'heureux qu'on arrive à continuer. On continue le jeu dans l'axe. On arrive à faire jouer debout. Est-ce qu'on va aller au bout le 1 contre 1? Malheureusement, on est tombé au sol. Et le gratteur qui est venu tout de suite sur le ballon, il va récupérer une pénalité. C'est joué vite, il va y avoir des espaces. Allez, est-ce qu'il va pouvoir finir sur les cannes? Non. Ouais, c'est bien joué ça. On arrive à faire jouer le ballon debout. Le passage au sol et le soutien qui est présent à l'heure. Allez, on peut aller chercher une largeur. Ah oui, bien fait dans l'intervalle. Allez, le joueur qui a rentré sa course pour venir chercher l'épaule intérieure de son défenseur. Bien servi par son partenaire. Il arrive à franchir le premier rideau et il va inscrire le premier essai de cette rencontre. Et c'est entre les poteaux qui promet une transformation des plus faciles. La Société Générale, s'en parlons tout le temps. Allez, c'est fait. Et le score à battre. 7-0. 21, je crois. 21. 21, il faut toucher plus de 21 lumières pour prendre la tête sur le mur et peut-être repartir avec des places pour la finale du top 14. Le mur digital qui vous attend, c'est facile, les lumières s'allument pendant 30 secondes, vous en touchez un maximum. Et ce soir, on fait le classement, les trois premiers gagnent des places pour la finale du top 14. Allez, ça repart là sur le côté gauche. Sur le Warrington 2019, n'hésitez pas à rejoindre. Turnover, jouer dit l'arbitre. Qui vous est réservé à possibilité de quart podium la région Centre-Val de Loire. Et alors, si je ne me trompe pas, du coup, on aura l'équipe de Sea South 7 qui est en possession du ballon. Et donc, l'équipe des Wonder 7 qui défend pour l'instant. D'accord. Donc, ce sont les Sea South 7 qui mènent au score. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça. Allez, 6 South 7 qui du coup vont exploiter une largeur. Est-ce qu'on va réussir à franchir le premier rideau? Non. Ah, le ruck a été rapide. Et on laisse pas de temps pour que la défense se replace et on arrive à trouver des solutions derrière.
Et deuxième essai marqué, hein, du coup, pour cette dans équipe de 6 à 7. Entre les poteaux, une nouvelle fois. L'équipe de France universitaire a battu la Nouvelle-Zélande 21 à 14. Des nouvelles du challenge féminin, challenge élite. La Belgique a battu l'équipe de France universitaire 25 à 14. Transformation réussie, 14 à 0 donc pour les 6 South 7. Allez, engagement pour les 6 South 7. Voilà, un coup de pied très haut, hein, on tente de récupérer le ballon pour aller marquer des points, mais c'est les Wondersets qui ont la balle et qui vont tenter de à leur tour de marquer un essai. On voit beaucoup d'engagement, hein, de la part des équipes depuis le début de ce tournoi. Il y a pas de, on ne se fait pas de cadeau. Ah oui, belle échappée là du numéro 7 qui va filer entre les perches. Allez, ça c'est fait, impeccable. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le suspense, c'est bon pour le spectacle. Et on voit les joueurs, hein, qui reprennent leur souffle, qui récupèrent le moindre temps, le moindre arrêt de jeu est mis à profit pour reposer les organismes. Les efforts sont très violents d'un point de vue musculaire, d'un point de vue cardiaque. Et puis c'est aussi important, hein, de faire ce qu'il faut pour remporter cette partie, mais aussi de ne pas trop consommer d'énergie pour être présent sur les matchs qui les attend au fur et à mesure de la journée. Ah oui, c'est un tournoi, les matchs s'enchaînent. Il est quasiment midi et demi, c'est aussi l'heure de vous rapprocher de l'espace. Allez, les Wondersets qui font la remise en jeu. Ça se passe juste derrière le terrain numéro 6. Un coup de pied assez long, hein, pour occuper le terrain. Le 1 contre 1 qui est joué, il est gagné sur les extérieurs. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence à la course? Il est bien repris, in extremis. Ouais, mais il y a du soutien. Il va faire jouer, c'est très bien. Et l'arbitre qui considère que le plaquage était haut, du coup, il va accorder un essai de pénalité entre les poteaux pour les Wonder 7, pour les 6 South 7, du coup, qui reprennent un petit peu plus l'avantage. Et donc, l'essai de pénalité, c'est 7 points d'office. Il n'y a pas besoin de transformation. Et c'est la mi-temps entre ces deux équipes. Et du coup, l'équipe des 6 South 7 qui mène 21 à 7. 21 à 7. Ouais. Ah non, c'est. Ah, si, ça y est, c'est la mi-temps. Les joueurs qui n'avaient pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre et qui vont pouvoir aller se reposer pendant une petite minute. On fait une pause, on se retrouve pour le coup d'envoi de cette deuxième période. A tout de suite. Allez, de retour pendant la mi-temps de ce match, on va vous indiquer un petit peu la suite, hein, des matchs qui nous attendent pour la journée. Donc juste derrière ce match opposant les 6 of 7 contre les Wonder 7, on aura les K7 contre les Iguanes. Et derrière on attaquera avec le circuit élite, hein, une rencontre qui opposera les Chap 7 contre Rugby 7 Périgord et la Belgique 7 contre l'Intime Rugby 7. Un beau programme, hein, qui nous attend, hein, pour l'instant jusqu'à 13h30 à peu près. Et derrière, c'est les moins de 17 qui viendront clôturer leur tournoi avec les deux matchs. Le premier match pour la 3e et 4e place. Et on aura juste derrière à 14h08 la finale de ce tournoi moins de 17. On rappelle, un tournoi fédéral, hein,
la Fédération française de rugby qui a pris une cinquantaine des meilleurs joueurs moins de 16 ans et moins de 17 ans et qui a organisé un tournoi avec, avec le tournoi Wardington. Et on est heureux de les retrouver sur les terrains cet après-midi. Allez, la deuxième mi-temps qui va commencer sans tarder. Sous les ordres de l'arbitre, les joueurs sont prêts. Nous aussi. Allez, c'est parti. Un coup de pied très haut encore. On tente de récupérer la balle. C'est fait. C'est volé vers l'arrière. Mais c'est repris donc par les 6 South 7. Et la pénalité. On a plongé du côté des Wonder 7. Et ça repart côté gauche. La sautée là, très longue, très belle passe. Allez, le joueur là qui fait jouer sa pointe de vitesse et qui va aller au bout, il sera pas rattrapé. Et il file entre les poteaux pour inscrire le quatrième essai. Et c'est Joachim Cosson qui vient inscrire cet essai pour les Wonder Seven. Un beau bébé, hein. Ouais, très gros gabarit. Et on a pu le voir à l'instant, une très très grosse pointe de vitesse qui lui permet de faire d'énormes différences dès qu'il a le ballon. Allez, transformation réussie, 28 pour les 6 aux 7, 7 toujours pour les Wonder 7. Allez, le coup d'envoi qui va être donné. Coup d'envoi assez haut, malheureusement on n'est pas là-bas au point de chute. Et l'arbitre qui intervient. Et le plaqueur qui n'a pas relâché avant d'aller gratter le ballon. Du coup pénalité pour les Wonder 7. Allez, les Wonder 7 là qui vont travailler sur le retour, la fin de croisée. Allez, c'est toujours les 6 aux 7 qui ont la balle. Et l'essai qui est accordé par l'arbitre. Et une rencontre dominée par les 6 à 7. Ah ouais, 5 essais inscrits déjà. Et c'est à peu près une possession de balle et un essai. Très dur pour l'instant pour les Wonder 7 en face. Allez, le coup d'envoi qui est donné, toujours aussi haut. Est-ce qu'on va être encore à la réception? Oui, ça c'est bien fait pour les 6 South 7. Allez, tout de suite ça écarte côté gauche. Ah oui, le joueur là qui a réussi à feinter son défenseur et qui tout de suite, après la remise en jeu, vient inscrire un sixième essai. Et c'est un du numéro 99, Kylian Trouin. Voilà, qui transforme aussitôt. Et les Wonder 7 qui ont un peu baissé les bras là, on a l'impression qu'ils ont un peu lâché et qu'ils attendent plus la fin de la ronde compte que autre chose. Ouais, ils sont pris de vitesse, ils sont dominés hein, physiquement et tactiquement. Voilà, le coup d'envoi qui est complètement manqué là, la remise en jeu. Directement en touche, hein. Du coup on repart avec un coup de pied franc au milieu du terrain. Allez, le numéro 13 qui joue à la main. Allez, on essaye d'aller marquer des points quand même. Allez, faire vivre le ballon, passe isolée. Voilà, ça c'est bien fait. On va le ressortir. Il y avait beaucoup de défenseurs sur la gauche. On va voir si de l'autre côté c'est un peu plus libre. Ouais, le joueur là qui échappe au plaquage, ça crée un décalage. Oui, la petite chistera, dommage. Et attention, la contre-attaque qui va être jouée, ça peut faire mal. On se retrouvait dans une situation où on pouvait marquer hein, pour les Wonder 7. Et derrière, est-ce qu'il va y avoir des différences de fait? Ça c'est bien fait, hein, le porteur du ballon qui a réussi à faire jouer avant contact. Et le numéro 99 encore qui parvient à s'échapper.
qui perd la balle. Et ça va être un nouvel essai inscrit par le numéro 13, Emmanuel Avray. Le septième essai, si je ne me trompe pas. C'est ça. Hein. Ouais, transformation réussie également. Allez, les 6 ou 7 là qui soignent leur goal average. Engranger des points. Parce que à la fin du tournoi, forcément, ça va compter. Allez, ce sont les Wonder 7 là qui ont récupéré ce ballon après la remise en jeu. Qui vont tenter non pas de sauver l'honneur parce que ça s'est déjà fait, mais au moins d'inscrire un deuxième essai. Ça serait pas mal pour eux. Attaquer l'extérieur, le 1 contre 1, est-ce qu'il va pouvoir franchir? Il s'est isolé. Il faut conserver le ballon. Malheureusement, le soutien qui est un petit peu en retard. Et du coup. Et l'arbitre hein, qui considère que les 6 of 7 ont fait un petit en avant en allant gratter le ballon dans ce ruck. Du coup, on va repartir avec une mêlée pour les Wonder. Ouais. Allez, la mêlée. Introduction pour les Wonder 7. Allez, tout de suite, on écarte. On envoie au large. Ouais, magnifique, on va faire jouer après contact. La Schistera. Allez, c'est bien, on n'a pas créé de ruck, du coup on perd pas de temps, on peut aller chercher la largeur rapidement. Ah, il y avait une possibilité là sur sa gauche, il a préféré repiquer au centre. Allez, c'est toujours les Wanderson qui vont cette fois dans l'embut. Et c'est inscrit hein, par... le numéro 19, malheureusement on n'a pas son nom. C'est le numéro, ouais. 19, ouais, c'est bien ça, c'est le numéro 19 qui marque le deuxième essai et la transformation qui est manquée. L'occasion que vous rappelez, vous pouvez vous rendre sur le centre de la... Allez, c'est la fin de partie, du coup, victoire de cette équipe de 6 of 7 assez facilement sur les Wonder 7. Ouais, 7 essais à 2, il n'y a pas eu photo, grosse domination. On vous laisse quelques instants, on quitte le live pour le moment, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite, merci à vous.